Le mandat de l'actuelle équipe municipale tire à sa fin. Et il est normal que nous fassions le geste, le bilan au niveau de la mairie. C'est la raison pour laquelle j'interpelle le maire Cheikh Bamba Dieye, qui en a la prérogative, pour qu'il convoque le conseil municipal en session extraordinaire, ou bien le préfet, pour que nous puissions faire au niveau de ce conseil l'état d'exécution du budget. Ensuite, au niveau de ce conseil, cela va nous permettre de voter le compte administratif de 2012, le compte administratif de 2013, comme Khalifa Sall vient de le faire à Dakar, pour laisser une gestion saine et transparente à ceux qui vont s'installer au niveau de la commune à partir de juillet. Et cela nous permettra également de faire l'état de la situation du foncier au niveau de la commune, pour qu'on sache combien de terrains nous avons laissés ici, qu'est-ce que nous avons fait. Ensuite, l'état de la dette de la municipalité. Quand Ousmane Massek est arrivé ici, il nous a laissé une dette de 655 millions. Combien nous allons laisser à nos successeurs? Et sur d'autres questions, nous allons les traiter en conseil municipal pour faire une gestion saine et vertueuse et léguer à ceux qui viendront ici une gestion sans problème afin que Saint-Louis aille de l'avant. Mangi wax tay mandat au maire bi dafa jeex. Lolu day ñu permettre ñu xam ndax ñaari at yi maire bi ni ñu ko tenirer jaar na yoon wala jaarul yoon et day tax aussi ñi nga xamni bu ñuy ñew daanu xamni li lañ fi fekk et may ñaan aussi daf ñuy permettre aussi ñu waxtaan affaireu terrain yi affaireu souf fi parce que fan yi amna kuy wax ni maire dafa nangu soufam ñu xol état situation foncier bi lañ lañ fi fekkon ak lañ lañ fi bayyi ensuite bi ñuy ñew ak Ousmane Massek Ndiaye daf ñu fi bayiloon boru 655 millions ñun ban bor lañ fi bayyi ñaata lañ fi bayyi parce que wa ndar dañu wara xam ñepp xam mu leer nga xamni daan fi joge ci jamm équipe bi installé wu dana fekk une situation bi nga xamni day leer nañ loolu yépp pour ndar mëna avancer parce que ndara ma ñor.